toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 19 mai 2023. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé la carte du pardon. Ton âme te dit, il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne, n'est-ce pas? Et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Message de tes guides, il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé et tu n'arrives pas à surmonter ça. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi. Il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma. Pourquoi? Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration car tu ne comprends pas les messages ou tu n'es pas réceptif à nos messages. Mais tes énergies sont bloquées dans le passé. Pourquoi? Prends le temps de te connecter à l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience. Pour là, ici et maintenant, prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent. Cela va apporter une libération naturelle. Cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Cela va te permettre de rentrer en contact avec toi. Le pardon est essentiel pour continuer ce cheminement ici terrestre. L'entité te dit, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonnez aux autres, demandez pardon aux autres. Pardonnez aux autres. J'ai une très grande culpabilité en moi. Je pouvais toujours avoir peur de mal faire. Je savais au fond de moi que je pouvais blesser
Mais c'est comme si je ne pouvais pas faire autrement. J'étais comme dans une lutte intérieure et avec le recul, eh bien, je me rends compte que j'ai pu blesser certaines personnes et je demande pardon. Ce n'était pas mon souhait. Je sais que cela n'excuse pas, mais j'ai besoin de dire cette phrase. Je ne m'en rendais pas compte. J'étais bloquée dans ma propre façon de faire et d'être. J'étais bloquée dans mon cadre de référence. J'étais bloquée dans ma propre façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, je te présente mes excuses et je te demande aussi de te pardonner. Tu as fait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu es dans une énergie où tu donnes le meilleur de toi-même. Et comme nous tous, n'est-ce pas? Parfois, tu peux tout accomplir et parfois, tu te sens démuni. Aujourd'hui, je n'ai plus de colère, je n'ai plus de rancune. Je te demande d'être dans cette même énergie, soit dans une énergie nouvelle de libération et de pardon. Je t'accompagne chaque jour pour le faire. Pardonne à toi-même et pardonne aux autres, s'il te plaît, pour toi avancer, pour toi cheminer, pour continuer à cheminer dans cette expérience ici de vie terrestre. Pardonner pour toi, pas pardonner pour les autres. Waouh, on termine hein, avec de très 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 jolis messages. Et moi je termine avec la guérison des 5 blessures. Aujourd'hui j'ai pigé une carte humiliation. Lorsque je me juge de trop en faire, de trop en faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego, encore une fois, qui croit qu'en étant trop libre, je vais abuser des bonnes choses, je vais trop jouir de la vie et je serai punie. Je l'accepte pour le moment en sachant qu'un jour, je me sentirai libre de répondre à mes besoins, sans peur ni culpabilité. Je vous souhaite une jolie journée, un tout joli week-end, dans l'amour inconditionnel, dans le rire, la joie, la bienveillance, l'empathie, la tolérance. Et on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.